Ce dimanche, France 2 diffuse le film Largué, 2018, d'Héloïse Lagne avec entre autres Camille Cotin dans le rôle de Rose aux côtés de Miu Miu, Françoise, Camille Chamou, Alice, ou encore Johan Eldenberg, Thierry. Côté vie privée, cela fait plus de 20 ans que Camille Cotin partage la vie de Benjamin Gauthier, un conjoint discret qui n'hésite pas à se montrer quelque peu jaloux vis-à-vis de sa compagne. Mon compagnon est architecte. Il n'a pas lu le scénario de Largué, il a lu la première page et il voit que Rose roule une pelle au DJ. Du coup, il me dit, qui fait le DJ? Je lui réponds que je ne sais pas et il me dit, bah ce sera moi. Il y a quoi, une phrase? Ça ira. En fait, même pour une phrase, il a eu un trac de fou, avait-elle confié face à Nikos Aliagas dans 50 minutes Inside sur TF1 en 2018. Camille Cotin et son compagnon Benjamin sont les heureux parents de deux enfants dont un garçon, Léon, né en juin 2010 et une fille, Anna, née en août 2015. Dans une interview à Magic Maman en 2015, l'actrice de 43 ans s'était exprimée sur le choix du prénom de ses enfants, « Mon grand garçon s'appelle Léon, si est-ce un prénom que j'ai toujours aimé ?» Il s'appelle Léon Gabriel parce que Gabriel c'était le prénom de mon beau-père. Ma fille s'appelle Anna Paloma parce que quand on a demandé à Léon quel prénom il aimait, il nous a dit il y a une fille à l'école qui s'appelle Paloma. Camille Cotin et son compagnon n'hésitent d'ailleurs pas à partager de temps en temps des photos de leurs deux magnifiques enfants sur les réseaux sociaux.